Tarek Et on Chichi. vine. Là, On a pas fini où? Tarek On Chichi. parle bien. Tarek Chichi. Sa mère, Alès, sa mère bête. Sa mère, hein? Alès, un mot de bête. Ah, non. Adar imagoy bachatzer. Oi mi she'eno mode be'iro. Areze oser alav. Un homme qui habite avec un goy dans la cour, ou avec même un juif, et que le juif, il n'est pas d'accord sur le hirouv, d'un point de vue religieux, d'un. Arrêtez au serre à l'arbre, parce que c'est quoi, il roule? S'associer. Tu ne veux pas t'associer avec moi. Tu as une propriété, tu ne veux pas me l'accorder, tu ne veux pas me la donner. Tu m'interdis. Tu n'as pas envie de rentrer dans ce système. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Léolam eno oser, hachi yushne israelin, osrim zehad. Il dit non. Pour que le goy puisse me casser ma réchoute à Yachid, il faut qu'il y ait deux juifs minimum dans la cour, deux familles. C'est-à-dire, j'explique là pour comprendre, il y a un juif qui habite dans un immeuble où il y a 200 goyim dans l'immeuble. Mais c'est le seul juif. Il a le droit de monter sa poussée, tout dans l'immeuble, il a le droit de faire normal. S'il y a deux juifs, ils ont besoin du hirouv. Et là, le système du hirouv ne fonctionne pas parce qu'il y a des goyim. Quand tu es seul, il n'y a pas de hirouv. Il n'y a pas avec qui faire hirouv. Donc, il n'y a pas la notion de hirouv. Le hirouv, il a été instauré sur minimum deux familles. Donc, quand il est seul, il n'y a pas d'hirouv. Comment on fait pour le hirouv du goy? Alors, le goy doit me louer pour me donner ou annuler sa part dans la partie commune. Qui est compliqué. Non, quand... Écoute, quand il y a des. Quand, par exemple, si tu as si t'as un immeuble avec 15 familles juives, il y a un goy qui est venu qui a acheté un appartement. Tu peux lui expliquer, tu es gentil avec lui, il est minoritaire. Tu vois, tu lui dis voilà, nous on a un point, un problème, point de vue religieux. Tous les samedis, on fait avec lui. Hein. Même s'il ne comprend pas trop. Mais il te dit qu'est-ce qui te fait plaisir? Ça, ok, vas-y. Si le problème, il est quand tu es dans des... Ça, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'en réalité, sans la solution que je vous ai racontée la semaine dernière, qu'on loue la ville entière, de qui? De celui qui a le plein pouvoir de t'expulser en moment de guerre. Il a une sorte de propriété sur ta maison, on a expliqué. C'est le Chacham Tzvi qui a expliqué cette... C'est la seule manière. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas. C'est-à-dire tu vas en vacances, dans une résidence en Espagne. Tu te retrouves avec deux juifs là-bas, il n'y a pas de hirouv chatzerot à faire. Impossible. Impossible. Je ne veux pas aller dans la. Il est au serre. C'est-à-dire que les résidences, il y a une piscine au milieu, par exemple. Non, pas... encore une fois, si. La résidence, elle est fermée. Non, non, tu ne veux pas. Même si elle est fermée. L'hôtel, parce qu'il appartient à une personne. Non, mais la résidence. L'hôtel, tu peux aller chez la personne, le propriétaire, tu lui dis, voilà, tu me loues un endroit. Même si il ne te loue pas, il ne te loue que la chambre, du moment où lui, il a le droit d'expulser quelqu'un de sa chambre, il va ramener dans une autre chambre, donc les gens ne sont pas fixes chez eux. Donc il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand tu loues un Airbnb ou une location. Mais en Israël, par exemple, en Israël, tu es obligé de faire un outre. Alors, il a fait. Est-ce qu'on est obligé? On va voir. Est-ce que si tout fait mes votes, il est bon pour les ouvrir, etc. Ici, il y a un zikoui. À Tel Aviv, il peut y avoir des problèmes. Quand tu as un goy dans ton immeuble. Ah, tu n'as pas de goy, tu n'as que des juifs. Hein? Tu n'as que des juifs. Tu n'as que des juifs? D'où tu sais que tu n'as que des juifs? Je suis à Ranana. À Ranana, tu as combien de Russes, hein? Ils ne sont pas juifs? Dans mon immeuble, il y en a arabe. Non, alors je te pose la question différente. S'il n'y avait que des juifs, s'il y avait que des juifs, tu serais obligé de faire un groupe Khatserot? Oui. Non, alors, il fait le, si il fait le, si dans la ville. S'il fait le chitouf, mes votes, il inclut les groupes Khatserot là-dedans. D'accord, ok. On va voir. Non, c'est un problème, Marlo. Attends, attends, attends. Tu as un arabe qui habite dans ton immeuble? Bien sûr.
Kaplan. Tue-le. C'est prévu. Coupé. Coupé. C'est un problème. Moi, je pense avoir un gros problème. Je suis pas le seul parce qu'on est trois comment ça marche pour non, mais c'est dans la ville. C'est non, mais le héros de la ville, ça veut rien dire. Parce que c'est ce que j'ai expliqué. Le héros de la ville, il est pour faire Réchout Yachid, Réchout Arabim. Le héros du Khatser, c'est un autre héros. Pour que tu ne confondes pas. Les escaliers, quoi. Oui, pour les escaliers, d'un appartement à un autre appartement. C'est un gros problème. Il faut tous les meubles dehors. Rachète l'immeuble. Non, il faut aller chez lui pour parler avec lui. Il est correct comme personne. Non, tu veux parler, tu veux lui dire, il va comprendre. Tu veux lui dire que tu as besoin de. Un arabe arabe. Ouais, c'est le Kaplan. Le Kaplan, c'est. Ah, c'est le Kaplan. Ouais. Et il est venu s'installer là-bas, il reste pas à Tira. Il pouvait pas payer. Parce que le Yazam, il pouvait pas payer. Donc, en échange, il a fait l'appartement. C'est pas dur, hein. C'est vrai? Attends, ça veut dire qu'on ne peut pas porter dans l'immeuble. Non, mais tu parles avec lui. Tu parles avec lui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller parler avec lui qui vous loue une place pour Shabbat. Tu seras à mon prix. Il ouais. Faut le payer pour ça. Non, il faut lui parler gentiment. Lui expliquer les choses du point de vue religieux. Vous devez faire quelque chose. Il ne faut pas lui dire que parce que c'est un goy et il est merakev sur vous. Il faut dire que chacun. Je dis voilà, on a un point de vue religieux. Ils comprennent ça. Dafka, les Arabes, ils respectent la religion. Quand tu lui dis c'est ma religion, il respecte beaucoup. Gentiment, tu vois. Et je peux discuter avec toi. Voilà, regarde. Nous, il n'y a rien de point de vue religieux. On n'a pas le droit de porter d'un endroit privé. Tu lui expliques, tu vois, la chose. Tu vois, avec les deux voisins. Tu peux lui dire que lundi, chez elle, pour trouver le. Non, en plus, c'est vrai que le chitouf mevorot, le chitouf mavoy, il a un problème. On va voir tout de suite. On va avancer dans la route, vous allez voir. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer leolam eno oser. Ad shiyu shnei Yisraelim osrim ze hazeh. Amar Rabban Gamliel. Ma'aseh bitzduki echad shaya dar imanu bemavoy. Alors on va voir que dans cette Mishnah, en fait, il manque un texte dans la Mishnah. Comme que la Gemara va dire il manque quelque chose, on va voir. Bon, Amar Rabban Gamliel ma'aseh bitzduki, on avait un sadducéen. C'est fou parce que on a commencé avec le un goy et Michelino Mode Beirou. Après, on parle des Sadducéens, pas des Koutis. On va voir Tosfot. Alors, il dit Abba, papa nous a dit, il parle sur son père, Rabban Shimon. Il a dit ils ont demandé à Sadducéi. Allez, tu n'es pas religieux, tu n'es pas un croyant, mais est-ce que tu nous donnes ta propriété? Non, non, alors il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Gamliel? Il a dit tout de suite, sortez vos kélim pour faire une sorte de chazaka sur la cour, sur la partie commune qu'elle vous appartient. Et là, quelque part, vous avez bloqué toute la partie commune. Lui, il reste dans son trou, même s'il marche, c'est son problème. Mais la partie commune, elle est à vous. Donc, ça s'appelle comme si vous faites sortir de la maison à votre maison qui est aussi là-bas. C'est ce qu'il a expliqué. Ça, c'est première opinion. Et là, on voit encore quelque chose d'Almara, elle va dire que même que d'après la halakha, hein, tu ne peux pas acheter une partie commune en faisant sortir une valise à toi que tu mets dehors. Mais alors, c'est pas à toi. Il n'y a pas de chazaka. Une maison, il y a une manière de faire une chazaka. Mais à un homme, parce qu'il a forcé la partie commune du public et il a mis un élément à lui dehors, ça ne veut pas dire que ça devient à lui. Un homme, il a mis sa machine à laver dans le couloir de l'immeuble. Et il n'y a personne qui m'a dit quelque chose, donc c'est à moi. Il va venir maintenant, il va fermer parce qu'il a mis la machine à laver. Monsieur, ce n'est pas une chazaka. Tu ne peux pas être marzik, benichse rabim. Même un contrat, ça veut dire quelque chose qui est commun. Ce n'est pas parce qu'on t'a on a ignoré des années. S'il y a quelqu'un qui a venu, un voyou, il habite dans l'immeuble, et il force les gens, il fait sortir de la tuyauterie, il fait des choses. C'est pas parce que tu as été voyou et tu as forcé tout le monde, et tout le monde s'est tué pendant un an, deux ans, ils ne voulaient pas se disputer. Maintenant, ils veulent. Ils ont le droit.
Il n'y a pas de chazaka. Mais par rapport au Hirouv, ça s'appelle une chazaka. On n'a pas demandé une chazaka, une grande chazaka. Non, il leur a dit, faites votre chazaka. Ça, c'est la première manière de raconter cette histoire qui s'est passée. Rabbi Yehuda, Omer Belashon Acher. Il a dit non. Maharu va'asu torkechem. Lui, il a dit non, c'est très grave. Il a dit qu'un douk, il a le droit de revenir sur son opinion, même Shabbat. Si lui aussi, il a fait sortir ses affaires, il vous a interdit. Du moment où il est sorti de sa maison avec son sac, il vous a annulé l'autorisation. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu, en fait, dire que c'est à toi, l'endroit n'est pas à lui. Mais si lui, il va sortir avec son sac, je te montre que ce n'est pas à toi, que c'est aussi à lui. Non, c'est à tout le monde. Alors si c'est à tout le monde, exactement. Si c'est à tout le monde, il faut refaire le hirouv. Mais s'il a dit avant, il a parlé, il a dit Il peut revenir sur sa position. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Yehuda. Regardons Rashi. Rabbi Yehuda dit qu'il ne peut pas revenir sur sa position. Il peut revenir. Il peut revenir. Oui. Et l'autre, il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas revenir. Pas un arabe, c'est du Hein Adar Imagoy, c'est pas Rakum. Rakum, c'est la censure qui a mis ça. Rakum, ça veut dire un païen, un idolâtre. C'est faux. Même un goy simple. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne voulaient pas que tu dises. Les chrétiens, non, on ne parle pas des chrétiens. Eux, ils sont bons. On parle des anciens païens. C'est la version, c'est Agoy. Il n'y a pas Ovet Kochavim. Ovet Kochavim, c'est édition Vilnius. Sinon, il leur interdisait d'éditer le Talmud. D'accord ? Adar imagoy b'chatzer, o imi she'enu mode ba'irouv, areze oser alav. Il interdit. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, le'olam eno oserat yushne israelim, osrim ze'aze, que quand il y a deux familles juives, parce que la notion du Hirouv, elle a lieu que quand il y a deux familles, et pas moi. Quand il y a une seule personne, tant mieux. C'est à court, il n'y a personne qui t'empêche. Le goy, il est rien. C'est-à-dire, le goy, il est rien, normalement. Quand tu as deux juifs, il y a un goy, là, il y a un problème. Darin, Beshte, Batim, Osrim, Zahazé, Ubaïn, Laharev, Benem, Agoy, Oser, Alem. On va voir tout, on va voir pourquoi. Non, un seul juif. Non, c'est là pourquoi. Comme si le goy faisait exister le juif. Comme si le juif, les deux juifs faisaient exister le goy. À partir du moment où il y a deux juifs, il y a des histoires. Non, mais ce qui veut dire, c'est pourquoi le goy n'existe pas. On va voir, la Gemara va expliquer. Ensuite, on continue. Rashi. Maase bitzduki echad kasava rabban gamliel tzduki eno ki goy. Velo dome lekuti de gire arayotem venam girim gmurim. אבל צדוקי ישראל הוא ונהפך למינות ואינו מודה בתורה שבעל פה. כיוון די ישראל הוא יכול לבטל רשותו בלי שום זכירות. איזה אנור רליג'ו אידי מיוק אנפו קונברטי. אינטרסן. אנור רליג'ו מיוק אנפו קונברטי. אנפו קונברטי איפה למות איזה שוז. אנור רליג'ו אידי מיוק. יפה, פורקווה. Mais pourquoi il explique? Vous avez vu ce qu'il explique, Rachid? Pourquoi faut convertir? Ben, les coutumes, c'est des faux convertis. Ils sont convertis. Non, les faux convertis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont convertis, mais en même temps, ils servaient leur dieu. Ils avaient un dieu qui était que son symbole, c'est la colombe. Vous savez, aujourd'hui, vous achetez la trina de Shrem. Dans tous les restaurants, ils achètent la trina de Shrem. Quand tu veux faire un bon salade à trombos, ils utilisent la trina de Shrem. C'est quoi le symbole sur la trina? C'est la colombe. Tu la connais, cette trina. Ayona, elle vient des Samaritains. Les Samaritains, c'est des coutumes. Ah oui. Oui. Ce qu'on voit du côté Abraha aussi. Oui, c'est cela, c'est des coutumes. Ça, c'est des coutumes. Coutumes, eux, ils se font appeler Shomronim. Nous, on veut les descendre, on les appelle coutumes. Coutumes, c'est leur origine. Ils sont venus d'une ville qui s'appelait Kuta, qui est en Afghanistan. D'accord? Et quand ils sont venus en Israël, qui c'est qui les a amenés? C'était Sanhérive, le roi assyrien. Quand il a pris tout le Proche-Orient, il a pris tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu. Il avait des soldats pour dominer un empire. Il avait peur des problèmes de population qui vont demander leur indépendance, qui vont tuer, qui vont
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des changements de population. C'est-à-dire, il a fait ce que le gouvernement chinois a fait au Tibet. Ce qu'on n'ose pas faire. Le gouvernement chinois, il a envahi le Tibet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Tibétains. Il a expulsé 2 millions de Tibétains dans toute la Chine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené 10 millions de Chinois au Tibet. Et il a tué la notion du Tibet. Ça y est, le Tibet est devenu une province. C'est plus un pays. T'as compris? Parce que si tu as aujourd'hui 2 millions de vrais Tibétains et tu as 10 millions de Chinois, quoi, ils vont venir. Il va sortir, il y a 5 Chinois qui vont lui tomber dessus, ils vont le frapper. Donc, c'est ce qu'il a fait, Sainte-Rérive. Il a changé les populations. Il a pris les 10 tribus qui habitaient en Samarie. Il les a amenés en Pakistan, en Afghanistan. On dit que les talibans, c'est des descendants de ces. Ils gardent, ils font la circoncision le 8e jour. Ils ont les règles de la Nida. Ils ne mangent pas de. Hein, les talibans, oui. Ils ont des titites sur leurs habits. La majorité des talibans, ils ont tous les pechtounes, ils appellent. Ils s'appellent les pechtounes. Il y a un gars, il est parti il y a 25 ans. Ils ont dans leurs habits, comme ça, vous voyez, au bout, les filles de titites. Ça, c'est fou. Bon, j'avais lu sur eux il y a 30 ans, il y avait un gars, avant que ça a commencé, quand il y avait encore les Russes qui étaient en Afghanistan, il y a un juif, il est parti là-bas, avant Ben Laden, avant tout, plus, 40 ans même. Il est parti, il avait fait une recherche. Il a trouvé des choses incroyables. La femme, pour se purifier à son mari, elle va au mikvé, dans un bain. Et ils avaient aussi des choses païennes, parce que les 10 tribus, c'était d'en venir à Vodazara. Donc ils avaient des. Comment ils ont basculé à l'islam? Ils ont basculé avec le temps. Mais en tous les cas, ils lui ont dit, on aime les juifs, on ne fera jamais du mal à un juif, ça veut dire dans certaines régions. Il y a même Yaakov Sapir, un juif de Jérusalem à l'époque, que les rabbins lui ont donné le plein pouvoir d'aller chercher les 10 tribus. Le fleuve Sambation, il se trouve là-bas. Pourquoi il s'appelle Sambation? C'est en fait Sabbation. C'est les Romains qui lui ont donné le nom Sabbat. Parce que tous les Sabbats, les samedis, c'est un fleuve qui court avec des pierres, qui jette des pierres. On ne peut pas nager là-bas. Il tue. Tu ne peux pas prendre ni une barque, ni rien du tout. Le seul jour où il se repose, il ne jette plus de pierres, il n'y a que de l'eau qui passe, c'est Shabbat. Le seul moyen de pouvoir traverser, c'est samedi. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils sont juifs. Et il garde le Shabbat. Il y a toute une histoire avec les Baalei HaTosfot. Une histoire véridique qui s'est passée il y a 1000 ans. C'était des guerriers et tout. Bon. En tous les cas, ils ont ramené des goïms à leur place. Sanhérib, il a ramené. Tout ça, ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Il a amené des goïms d'une certaine région. Où il les a installés? Dans le Chomron. C'était des païens. Ils venaient les lions, les ours, ils les dévoraient. Ils sont venus chez Sanhérib, ils ont dit, fais-nous sortir de ce pays. Il a dit, mais le pays, il est miraculeux. Il y a des beaux fruits. Il y a des trucs. Ils ont dit, mais regarde, des animaux qui rentrent, des serpents. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il a posé la question. Alors, les Juifs qui lui ont dit, oui, sur cette terre, on ne peut pas être païen. Alors, il leur a dit, Sanhérib, vous avez deux options. De partir, je vous donne une autre terre, mais je ne sais pas si elle est meilleure. Je vais vous chercher un endroit. Ou vous vous convertissez, vous acceptez sur vous la religion juive. Ils ont dit, on n'a pas envie encore une fois de repartir. Envoie-nous des profs. Il a pris des juifs qu'il a envoyés à l'exil, qu'il les a ramenés pour diriger ses familles. Dont quelques familles de Kohanim. Et il leur a enseigné la Torah. Et ils sont mis là-bas, ils ont dit, ok, on accepte. Ils leur ont fait la circoncision, ils leur ont fait. Quand le Ham Israël, après l'exil, ils sont retournés, il y avait un concours entre eux. Entre-temps, ils ont construit un temple, une sorte de temple. Ils ont fait la Torah à la lettre. Ils n'ont pas construit le temple à Jérusalem. Ah, ils leur ont dit, mais vous êtes fous. On n'a pas le droit. Qui imène à ma comment chérif, Harachem, il est destiné. Ils ont dit oui, non, non, oui. C'était comme ça, il y avait des juifs, ils ont vu, on a des juifs, des filles juives ici installées, ils sont mariés avec eux.
sont mariés, il y avait beaucoup de mélanges. Sangvelat Achori, regardez dans le livre de Ezra et Nehemia. Il raconte plein de mariages. Ils se sont mariés avec les familles les plus nobles. Donc, ça faisait une pression sur les rabbins à Jérusalem de ne pas sortir en guerre contre eux. C'était des juifs. Deuxième choix. Mais ils étaient bien introduits. Avec le temps, chaque fois quand ils montaient à Jérusalem, quand Ezra a construit le... Il y avait des pèlerins qui venaient, des gens qui témoignaient, disaient, tu sais, on était là-bas, chez eux, on a vu, ils ont tous des colombes dans les maisons, des statues de colombes, à laquelle ils se prosternent. Et leur a envoyé une lettre. Est-ce que c'est vrai? Ils ont essayé de renoncer, tu vois, ils ne voulaient pas dire. Ils les ont bien bousculés, ils ont dit, oui ou non? Ils ont dit oui. Ils ont dit, vous l'enlevez? Ils ont dit, on n'enlève pas. Si vous ne l'enlevez pas, on va vous déclarer comme des goïms. Plus de mariage avec vous, plus on vous prend le vin. Ils ont dit, on s'en fiche. Ne croyez pas qu'ils allaient réussir. Ils se sont mis le Sanhédrin, ils ont déclaré leur fille comme des goyotes. Il fallait les expulser. Il fallait... Et là, c'est devenu des ennemis jurés. Quand ils voyaient un juif qui passait là-bas, ils le tuaient. C'est qui ceux-là? Les Koutims. C'est les bons? Non. C'est ceux qu'on a ramenés ici en Israël, les goïms qui ont été ramenés ici. Et les mariages qu'il y a eu avant? Chomronim. Chomron... Ah non, non. Eux, ils se font appeler Chomronim, les juifs de la Samarie. En 1948, déjà avant Ben Tzvi, qui était le deuxième président de l'État d'Israël, c'était un fan d'eux. Il a fait tout son doctorat sur eux. Et il a voulu, il a écrit, il a fait des photos, il a... C'est lui qui les a, il a écrit des livres entiers sur eux. Il a comparé entre leur Torah et la nôtre. Bon. Eux, ils utilisent par exemple le caractère hébraïque ancien. Leur Sefer Torah, il est écrit en hébreu. En hébreu, comme vous avez la pièce de 10 shekels, c'est écrit il y a le caractère hébreu. Les Juifs, ils avaient deux caractères. Un, Kodesh, c'est Ktav Ashuri, c'est la même écriture que vous avez dans les textes d'Agmara. Et le texte qu'on écrivait en cursive, que pour Chol, pour des lettres. Alors ça, c'était... Alors eux, leur Sefer Torah, il est écrit comme ça. Ils ont des noms, Yéda, Yad, Spania. Maintenant, les Arabes, ils est considérés comme des Juifs. Les Juifs considérés comme des Goïms. Ce qui a fait qu'ils se sont tous mariés entre eux. Ils ont des choses affreuses. Ils ont des enfants. Vous allez là-bas, à Arbracha, vous prenez la voiture, vous tournez, vous voyez des gens avec des yeux comme ça ici, avec un nez comme ça. Ça fait... Et pourquoi? D'où je les connais? Moi, j'habitais à Elon Moré dans mon enfance. Elon Moré, c'est à 4 km là-bas. Dans la zone industrielle, je venais travailler. Leur Kohanim et tout ça. Il y avait le Kohen Gadol, il venait. Ça veut dire, il a été nommé Kohen Gadol, il a arrêté, il a démissionné. Et ils ont Kohen Gadol. Ils ont Kohen Gadol, ils faisaient ouais. Le Corbanot. Mais bien sûr, ils font le Corbanot, tout. Oui, ils sont entre eux. Ils se marient entre eux. Il est où leur Corbanot? Là-bas, à Gerizim. Ils font, oui, il y a plein d'Israéliens, ils y vont. Il y a des spectacles pendant la moyenne Pessah, ils font plein d'Israéliens pour voir. Ils font leur Corbanot, leur Corban Pessah, oui. Combien il y en a? Il y a des milliers qui vont, des milliers, non, des milliers. Combien il y en a? Alors, Ben Zvi, quand il est devenu président d'État d'Israël, il a milité pour eux, pour leur obtenir, il leur a donné un quartier à Houlon. Donc, ils sont partagés entre eux, ceux-là de là-bas, ils ont toujours refusé de recevoir le passeport israélien pour ne pas avoir un conflit avec la population palestinienne. Ils ont des passeports de l'autorité palestinienne et pas d'Israël. Et nous, comme des idiots, on leur a accordé à Holon. Et ils ont la moitié, ils sont là-bas et la moitié, ils sont là-bas. Ils sont pas nombreux, ils sont pas des... Ils sont quelques milliers. Et ils disent, c'est nous les vrais juifs et vous êtes les faux. Bon, oui, à Gerizim, c'est Bracha. Et ils sont encore... ils sont et alors la trinade là-bas, il y a le symbole, la Yona, la colombe. Alors, dire que la colombe, c'est le symbole de la paix, soi-disant. Non, c'est pas la paix, c'est le rabot d'Azara des années. C'est pour ça qu'ils mettent. Et vis-à-vis des revenus, Alors, il y a aujourd'hui parmi eux, il y en a des qui habitent à Shrem. Mais depuis l'intifada, on les chasse de là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont mal vus, on les frappe. Mais ils ne sont pas tués, parce qu'ils disent qu'on est palestiniens. C'est de la peine un petit peu, non? Pourquoi de la peine? Eux, ils n'ont pas laissé les juifs s'installer à Shrem. C'est eux qui sont venus, ils ont fait des émeutes. Quand les juifs y passaient à l'époque, ils n'allaient pas par chez eux, parce que s'ils voyaient un juif, ils le tuaient. Bon, en tous les cas, ça, c'est les chomronis.
ils se font appeler aujourd'hui chomronim. Nous, on les appelle koutim. Justement, il ne faut pas les appeler chomronim. Parce que eux, chomronim, c'est pour dire on est de la Samarie. Non, ben nous, on leur dit vous n'êtes pas des Samaritains, vous êtes des koutim. Vous êtes venus de. L'arabe. Oui, l'arabe. Et ils ont et tous leurs noms, c'est des noms bibliques. Tzfania, Yedaria, des trucs comme ça. Ouais, des noms. Bon. Alors, il dit Rashi. Rashi, il te dit celui-là. Rashi, il te dit celui-là, à quoi ? C'est-à-dire un goy, il faut savoir. Un goy qui s'est converti et qu'il a reçu sur lui 99% du judaïsme, il est 100% goy. Vous avez compris ? C'est ça la définition. Comme ils ont. Hein ? On n'est pas au restaurant, ils font pas ce qu'ils veulent. Exact. Ça veut dire, c'est un problème. Eux, c'est difficile pour eux de comprendre. Ils disent, attends, je ne comprends pas. Pourquoi moi que je me convertis ? Je ne suis pas d'accord à prendre sur moi. Je ne suis pas moi des Beirouv. C'est des Rabanan. Et l'autre, Feuge, il vient à la synagogue en voiture Shabbat. Et vous nous faites Miché Bérard, là, Ashkava. Et celui-là, on dit que c'est un goy. Non, il n'a pas raison. Parce que je vais t'expliquer. Quand tu es membre du club et tu as fait un problème, tu as des avertissements. Mais quand tu dis je ne veux pas rentrer, je veux rentrer au club avec mes conditions, tu ne peux pas rentrer au club. T'as compris ? C'est vrai, mais c'est ça la règle. T'as compris ? Au club et après ils changent les conditions. C'est quoi ils sont entre eux par exemple et les Témanis. Non, pas les Témanis, les Éthiopiens. Les Éthiopiens, je peux inventer un truc. C'est une autre chose encore. Non, il y a des problèmes. En tous les cas, ça c'est en. Off. En tous les cas, voilà, ça c'est les... Alors Rachid nous dit, c'est ce qu'il nous dit Rachid, il te dit, il y a une différence entre un dzduki et un kouti. Le dzduki, il est mieux que le kouti. Le kouti, il faut lui louer l'endroit parce que c'est un goy. Il ne peut pas être mevatel reshut. Le dzduki, le non-religieux, il peut te dire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais comme je suis juif, j'annule ma reshut pour que vous pouvez utiliser la vôtre. Comme on avait vu dans l'Agmara, que quand il y avait un monsieur dans la cour, qu'il a oublié de donner son Hirouv, Hirouv Khatserot. Et on se retrouve Shabbat, et les voisins lui disent, tu n'as pas donné le pain, tu nous as fait un problème, tu n'as pas fait le Hirouv. Il dit, vous savez quoi, j'annule ma réchoute. Il a le droit. Pourquoi le coup, tu peux annuler ta réchoute alors ? Parce qu'un coup, c'est un goy, il ne sait pas annuler une réchoute pour faire du bien aux Juifs. Il ne peut pas ça l'annuler. Alors, quand tu lui as dit tout à l'heure d'aller voir son arabe... J'ai dit de louer. Ah, alors, c'est ce qu'il dit Rachid. Moi, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, une meuf qui avait une dame. Non, mais mec, maintenant je commence à comprendre le truc. Parce que comme mon voisin, le fils de Oel Moshe. Ah oui. De Oel Moshe, tu sais, je suis la synagogue. Ok. Ce bague. Alors, je ne sais pas qui a mis une dame. Ils ont mis un truc, genre un paquet de gâteaux. Je ne sais même pas maintenant si ça correspond à ça. Dans le c'est sûr que c'est ça. Puis tous les jours, je prends un gâteau. Non. Alors maintenant, je vais lui poser la question parce que je suis très bien. Je parle. Il aurait dû t'en parler, non ? Bah oui. Il aurait dû m'en parler. Qui c'est Rouven, le fils de Moti, il habite chez toi dans l'immeuble ? Sur même papier. Rouven, le jeune. Alors, parce que personne ne sait qui a mis la table. Moi, je n'ai pas posé de questions. J'ai dit, c'est pas mal, ça met quand même le truc, tu vois. Non, t'as déjà le problème de Hilonim dans l'immeuble. Alors, aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas aujourd'hui de Hirouv ? Pourquoi on ne fait pas de Hirouv et Khatserot ici à Ranana ? Ouais. Parce que le Rav de la ville, il est makné à toute la ville des Matzot. Il fait un Shitouf Mavoy. Ça veut dire, il inclut pas un ton immeuble, il met une Matzah. Il met des matzahs à la grande synagogue pour nous tous. La question, c'est est-ce qu'un goy, il casse le mavoy ? Faut vérifier. Mais en tous les cas, quand il y a un chitouf mevorot, tu n'as pas besoin de l'irouver khatserot. Ça inclut. Attends, ça veut dire qu'il est mes acquis à tout le monde. C'est-à-dire que si je sors de mon immeuble. Attendez, on va avancer. Je sors de mon immeuble, mais en dehors, j'ai le droit de porter du coup. Oui. Mais dans mon immeuble, j'ai pas le droit de porter. Tu portes où ? Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de problème de Hirouv, de réchuter Yachid Rishta Rabim. Regarde. Tu sautes par le balcon. Alors, il nous dit, on continue. Maase Bitzduki, Rachid dans les lignes larges. Shayala Imanu Bemavoy, Ubital nous réchuto. Ve'amar la nous Abba, Maru.
ורוצים כלכם למעבוי ואחזיקו בו, כיוון דקדש היום מיד, כדי שלא יחזור בו, עד שלא יוציא כליו, כליו תחילה, ויחזור ויחזיק ברשותו ויעזור עליכם, ושמע מינה, דהנו כגוי, די יגירו מיניה, איך ימצא למדר, אף אגב דמפיק לא עזר, דהי נקית דמידי, il y a un problème entre la différence entre un zouk et un goy. Ce qu'un goy, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué de chez lui, n'est-ce pas? Je lui ai loué. Ça réchoute. Il me l'a loué. Quand il m'a loué, il m'a fait un contrat. Il n'y a rien à faire. Il ne peut rien faire pour me casser ma location. Il y a un contrat, c'est du béton. Mais quand un juif, il a été, mais va-t-elle, ça réchoute? Est-ce qu'il peut la reprendre, Shabbat? Il dit, maintenant, je n'annule plus. J'ai annulé. Maintenant, je n'ai pas envie d'annuler. Je vous ai annulé une heure, je n'ai pas envie. Il peut ou il ne peut pas? Peut annuler. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, la première version, il a dit, utilisez avant lui l'espace commun. Comme ça, c'est à vous, et vous avez une sorte de chazaka, et c'est bon. Ça, c'est son opinion. L'opinion de Rabbi Yehuda, il dit non. Il leur a dit, faites ce que vous avez à faire, parce que vous avez un zdouki qui n'est pas modé Beirouf. Même s'il vous donne, il peut casser. Ça n'aidera pas que vous faites sortir Shabbat, quoi que ce soit. Maintenant, on va voir les tosfotim, ils sont très importants ici pour comprendre le statut. C'est quoi le statut d'un converti? Un converti tordu. C'est quoi? Pour beaucoup de choses. Il a touché le vin, beaucoup de choses. Shabbat, il est goy, il est juif, il est quoi, etc. Il y en a tellement, tous ceux qui font leur conversion chez native en Israël. Ils ne font même pas Shabbat. J'avais une voisine et elle a fait sa conversion. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a enlevé toutes les mezouzot de la maison. Elle a fait sa conversion officielle à l'armée. Native, c'est une... L'État d'Israël, il a payé un organisme. Convertis-moi. Ils mettent les gens. Qui est reconnu par la Rabbanou. Il est prêt à Masada, Engedi, Tel Chai, Yad Vashem. C'est comme ça qu'il leur explique le judaïsme. Mais c'est qui le représentant? Qu'est-ce qu'il a dit de cette... L'État d'Israël, malheureusement. C'est pas le l'armée. À l'armée, le Dayan, il est payé selon le nombre de dossiers qu'il a fait. T'as compris? C'est-à-dire qu'un Dayan, un Dayan qui a refusé des dossiers, qui a dit « t'es pas assez compétente », eh ben l'année d'après, on lui renouvre pas le contrat. L'État, il dit « celui-là, j'ai pas envie de lui. » Il faut faire en masse. De te convertir à l'armée que... Ah, l'armée, c'est... Mais qui... c'est... Moi, j'avais fait... Quand, à l'époque, j'avais défendu le Rav Amar, c'est parce que le Rav Amar, quand il y avait la Mahloket, parce que la Hédah Haredi, ils ont dit toutes les conversions de Tzal, ça vaut zéro. Et le Rav Amar m'a dit, mon fils, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Je me suis mis pour l'aider. Mais un jour, il y a un Marocain, un vieux monsieur, il me tape à la porte. Il me dit que Dieu vous envoie le feu sur vous. Je t'ai fait, qu'est-ce que je te fais, moi? Il dit que son fils, il se marie avec une fille. Il dit, elle mange du porc. Il dit au grand rabbin d'Israël que ça sera sur sa tête. Quand il m'a dit ça, j'étais mal à l'aise. Alors, je me dis, j'ai dit au rabbin, regarde, qu'est-ce que... Il me dit, il parle. Qu'est-ce qu'il... J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, il parle? J'ai dit, tu sais quoi? Moi, je voulais me prouver que c'est bien. J'ai demandé au secrétariat, donnez-moi la liste des gens qui ont été convertis la dernière année à Tzahal. Je veux la liste. Ils m'ont donné. Théoudat, Zéro, téléphone. On n'a pas le droit normalement de donner, mais j'ai dit c'est pour une vérification interne. J'ai dit c'est pour bloquer la bouche de tout le monde. Quand on a appelé 100 personnes. On a demandé qu'est-ce que tu fais en religion? 100 convertis. 97, 0. 3, on dit, un, il a dit, on allume les bougies de Shabbat. T'as compris? Un autre, il a dit, je fais attention, je ne mange pas, je ne vais pas rentrer à la maison du tarif. Alors, sur quoi se sont basés? Ne mange pas du porc avec les rabbinim de rabbin de Tarachis. Encore une fois, je te dis. C'est basé sur quoi? Je te dis, et là, j'ai compris. Et là j'ai compris que c'était une grosse erreur. Maintenant, encore une fois, l'état de la conversion en Israël, c'est catastrophe. Ça, je vous dis.
À l'armée, c'est catastrophe. J'ai demandé à cette voisine. Cette voisine, elle a jeté les mezouzottes à la poubelle. Elle a fait 3 fausses couches. Elle est venue me pleurer. Vous savez, il y a un rave qui habite ici. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec les mezouzottes qu'il y avait ? Elle m'a dit, je les ai jetées. Je lui ai dit, pourquoi tu as jeté ? Moi, je ne savais pas. Je lui ai dit, ça t'a amené ton malheur. Alors, elle m'a demandé de lui mettre une mezouza. Je lui ai mis une mezouza. Alors, je voulais savoir. Je lui ai dit, tu as fait par qui ta conversion ? Elle m'a dit, alors, mais... Elle s'appelle Katz. Katzman. Une Cohen. Une Cohen. À la base, c'est des Cohen. Mais bon, c'est un grand-père juif. Ils sont venus là. Maintenant, hey, quand moi, j'allais jeter la poubelle, je voyais dans leur sac poubelle les huîtres, Tiftam qui arrivent chez eux. Tu vois, c'est pas... Ils sont... Je lui ai dit, mais... Quand tu as fait la conversion, je lui ai dit... Je voulais savoir. Quand, comment... Elle m'a dit, ils m'ont dit qu'il faut faire 2 semaines, 2 Shabbats, chez des familles religieuses. Alors, l'armée, elle paye des familles religieuses dans certains yishuvim qui reçoivent chez eux Shabbat 5 filles, 6, 7 filles. Elle m'a dit Shabbat, je vais rentrer aux toilettes. Je regardais dans mon Facebook. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas fait un Shabbat avant sa conversion. Et là, elle ferme les yeux. Elle dit, fermez, avancez. Nous, on a besoin, ils ont besoin des chiffres. L'État d'Israël, elle met toute, chaque année, elle met 300 millions de shekels pour les conversions. C'est un problème. On a un problème aujourd'hui de savoir avec qui se marier. Demain, ton fils, il ramène une russe de l'armée et il te dit, elle a été convertie. C'est une Goya. C'est un vrai problème, bien sûr, c'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Les conversions aujourd'hui du rabbinat, les conversions du consistoire sont 1000 fois mieux que les conversions ici. Et maintenant, après la guerre, maintenant après la guerre, celui qui va ouvrir la bouche pour parler, ils vont lui couper la tête. Comme ça, tu fais aux soldats, comme ça. Tu... C'est des vrais, c'est des goïms mourim. C'est des goïms mourim. Malheureusement, c'est là où j'ai compris pourquoi la position Haredi, elle est anti tout ce qu'il y a officiel de l'État. C'est tordu. Ils ont construit un modèle tordu. Et celui qui parle à un mot, il se fait... Et avec ça, on ne reconnaît pas les conversions qui se font en Israël par des Beit Din à Bnei Brak. Et tout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient se convertir. Et il y a des femmes qui se sont converties, comme on connaît. Une femme de Strasbourg, elle a fait sa conversion. Chez qui? Chez Rav Karelitz à Bnei Brak. La fille, elle met la perruque, tout ce que tu veux. Elle veut valider sa conversion. Il lui dit, ah, tu as été converti par un tribunal qui n'est pas reconnu par l'État d'Israël. Et la Russe, qui a fait à l'armée, elle est rentrée, elle a sa théodat zéhout, elle a tout ce que tu veux. Mais l'autre, elle ne pourra pas avoir ni Aliya, ni Koupatrolim, ni rien du tout. Où on est? Sur ça, il faut prier quelque chose. Il amène la Géoula, mais c'est comme ça. Moi, tous les jours, j'avais des histoires comme ça quand j'étais... Mais non, le problème, c'est que j'allais défendre la cause du rabbinat, sachant que le rabbinat, c'est zéro. Ça, c'est le plus dur. De se tenir au tribunal et de dire, voilà, moi, je représente. Et après, j'ai dit, oh, vraiment, déchargement de ça, je ne peux pas. C'est un mensonge, je ne peux pas mentir. C'est quoi cette conversion? Tous les Russes que vous voyez, mais allez les Shabbat, c'est ceux qui ont eu leur conversion. Comme ça. Alors il dit, quel est l'intérêt de l'État d'Israël qui n'y ait pas beaucoup de goyim? Parce que demain, tu as une minorité, demain, il devient avec les Palestiniens. Pareil, c'est une minorité de goyim. Ils vont à l'église, une minorité chrétienne en Israël. On a aujourd'hui 500 000 de non-juifs en Israël, pas arabes et pas palestiniens et israéliens. 500 000 de non-juifs. Ça veut dire sur les 7 millions juifs, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as 500 000. C'est énorme. C'est-à-dire que dans 20 ans, ils sont 1,5 million. Il vaut mieux être 4 millions de juifs, de bons juifs, que le problème. Que 8 millions et les 4 millions, c'est rien du tout. Hein, la démographie. Alors, ils nous ont pour une. On a un vrai problème. Maintenant, c'est des gens qui ont des... Il faut savoir. Hein. Il ne faut pas non plus critiquer. C'est des gens qui ont des grands-parents juifs. Ils sont venus en Israël suite à la loi de Chok HaShvout. D'accord? Mais encore une fois, c'est des goy gamour. Ce qui s'appelle Friedman, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui en Israël, un garçon juif à l'armée, il a plus un problème d'assimilation qu'en France aujourd'hui.
Je vous dis ça. Ça, c'est à l'université, à l'armée. Vous savez, dans les écoles. À Ostrovski. À Ostrovski, moi, je vous raconte une histoire. Il y a 2 ans, il y a une femme qui m'a appelé. Elle a dit son fils, il est retourné en pleurant. Yom HaShoah. Le prof, il parlait. Il y a 2 élèves qui se sont levés. Ils ont dit, on n'est pas concerné par votre Shoah. Arrêtez de vous prendre la tête toute la journée sur votre Shoah. Votre Shoah. Les enfants qui ont des croix. À Ostrovski. Où on arrive? Où on est? On devient comme en Europe, avec la gauche qui est... On va perdre tout. Et quelque part, ils disent, chez les religieux, ils disent que dans quelques années, on devrait faire un centre juif, que tu vas valider ta judaïcité, tu vas te montrer tes papiers. Et comme ça, chacun, on va faire quelque chose parallèle à l'État d'Israël. S'ils acceptent, c'est ce qu'ils ont menacé. Les Haredim, ils ont dit, vous continuez avec ces conversions, on va monter un centre où chacun, il va donner ses données. Et demain, on va dire, tu n'es pas là-dedans, on ne va pas se marier avec toi. C'est la seule chose. Vous ne nous laissez pas. Si vous qui est censé, le rabbinat en Israël, qui est censé garder la porte d'entrée au judaïsme, vous ne gardez pas. On va arriver. On va arriver. Il y a des conversions sérieuses, mais il y a des conversions. Les conversions qui sont faites par le Maharagyur, c'est un peu mieux. Mais à l'armée, c'est zéro. L'armée, c'est toute la plus grande des catas, c'est l'armée. Mais conversion, ils savent, 90% ne vont pas garder. Mais ils vont au moins manger kasher, tu vois. Ils vont allumer les bougies de Shabbat, ils essayent. Il y a 274 heures de formation. Ils sont obligés de passer. Sur 274 heures quand même de bourrage de crâne, je suppose que tu gardes quelque chose. Sinon, je mais même avec ça, ils leur font des raccourcis. Ça veut dire, le gars, il a commencé, il a fait 20 heures, il demande un raccourci. Il dit qu'il connaît. On lui raccourcit à 100. L'intérêt, c'est de faire passer. Plus tu fais passer, tu as la chance de pouvoir rentrer. Plus tu mets des problèmes, tu te retrouves en dehors du système. C'est comme ça. Parce que l'État, elle a mis un budget, c'est une sorte de budget de Aliyah, de les intégrer dans le public israélien. L'État d'Israël, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut qu'ils soient intégrés. C'est tout. Il n'est pas là pour s'occuper de leur mitzvot. Il veut une intégration. C'est tout. Mais nous, on a un vrai problème. Un homme qui est pratique, on a un problème. Plus que ça. Hein. Pour un Cohen. Ses enfants. Après, même si la fille se convertit, un problème, elle se convertit. Mais tu perds toute la base de ce que c'est l'État d'Israël. Avec ce... bien sûr. Exactement. Bien sûr. Oh, mais alors, les Ben-Gvir, et tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien du tout pour ça. Alors, celui qui touche ça aujourd'hui, il lui coupe la tête. Déjà, quand il y a eu au 7 octobre, il y a eu des morts, des soldats. Ben, vous ne voulez pas les enterrer dans les cimetières. De l'armée ? Non, de l'armée. Est-ce que tu as le droit d'enterrer un goy avec des juifs ? C'est une question. Ils les ont enterrés dans le cimetière militaire. Et ils ne sont pas juifs. Maintenant, il y a les parents des autres soldats. Ils sont pleins. Mon fils, c'est un juif. Il est mort pour cette terre. Laisse maintenant arrêter avec tes sentiments. Laisse maintenant, je te parle à la trouve une solution. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Faire un endroit spécial. Enterre-le avec les druzes. Pourquoi tu l'enterres avec les... Enterre-le avec les bédouins. Non. Il a envie, pourquoi ? Parce qu'il a envie d'être... C'est un problème. On est affronté à des problèmes. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils agissent comme que tu as... Je ne suis pas contre toi, mais Alara, elle ne dit pas comme ça. Alara, elle n'est pas du cœur. Elle est... Voilà, c'est la catégorie qui nous a imposé. Alors, on est juif ou on n'est pas juif ? Tosfot, je vous donne un petit résumé du Tosfot. Tosfot, il nous dit. Il y a un débat. En fait, on a guéré à Rayot ou un goy chez Chazar les Sourds, par exemple. T'as un gars, et ça c'est un bon exemple pour mieux comprendre. Il y a un gars, il connaît une fille.
Il veut se marier avec elle. Il dit, montrez-moi la Ketouba, machin. Et tu vois, et la fille, elle amène la Ketouba de sa mère. Dans la Ketouba, tu vois que la mère, elle est convertie. Maintenant, les parents, ils font rien. Rien. Et est-ce que tu peux te marier avec ces filles? Maintenant, si la maman, elle a pratiqué, l'idée, c'est quoi? C'est quoi l'idée maintenant? Regardez l'idée des Batédin, comment c'est tordu. Ça veut dire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, moi, je veux que tu fasses deux Shabbats. D'accord? Après, ne me dis pas. Ne me pose pas de questions, ne me dis pas, je ne te poserai pas de questions. Deux Shabbats, ça veut dire, il veut confirmer Rov de Chazaka, ils ont fait au minimum. Après, ils disent, tu sais, c'était un bon juif. Après, il est devenu non-religieux, comme tous les non-religieux. Donc, il y a une bonne conversion, et il est devenu non-religieux. Il a mal tourné. Il a mal tourné. Pourquoi ? C'est la même chose qu'un Haredi qui a lâché. Et là, on est sur cette histoire fine. Est-ce que il est considéré comme Guéré à Rayot où il y avait un problème dans la conversion? Guéré à Rayot, c'est quoi? C'est les Koutim qui se sont convertis par la menace des animaux qui mangeaient, qui les dévoraient. Ils n'ont jamais été d'accord de l'idée de l'union avec le Ham Israël. Le Rambam, il te donne plusieurs paramètres. Le Rambam, il te dit, j'accepte une conversion pour l'amour. Je l'accepte. Oui. Une fille qui est amoureuse d'un garçon. Ah, c'est, ça reste une motivation. Il dit, elle est guerre, mais elle n'est pas guerre tzedek. Mais elle est guerre. D'accord ? Il fait la distinction, le Rambam, entre guérim et guerre tzedek. Le Rambam, il te dit que Shimshon Agibor, qui a épousé une Goya d'Alila, ce n'était pas une Goya. C'était une guerre, pas une guerre tzedek. Et le texte biblique, il appelle comme s'il a épousé une Goya. Shlomo Ameler. C'est écrit la carte Nashim Nochriyot. Il dit quoi? Shlomo Ameler qui a écrit Michelet, il s'est marié avec une Goya. Tu crois qu'on lui aurait laissé sa place dans la Bible? Demain, il y a un monsieur, il rentre à la synagogue avec une Goya. Est-ce que tu le fais monter à la Torah? Non, alors nous, on va donner à Shlomo Ameler. Marié avec une Goya, on va lui donner 3 livres dans la Bible. Il a pris Kohelet, il a pris Shir HaShirim, il a pris Michelet. Il dit non. Il dit, il s'est marié avec des femmes que l'intérêt était très clair. Elle voulait être reine. Elle voulait être princesse. Il dit, c'est guerre. Mais ce n'est pas guerre tzedek. C'est quoi guerre tzedek? C'est Ruth. Elle n'a aucun intérêt. Ça, c'est guerre tzedek. Il n'y a pas beaucoup. Tu dis, tu sais ce qu'on dit. À la tzedekim, à la chassidim, à la chérita brabitsa, à ziknem, à la pétale de tzofrem, à la guerre tzedek. Guerre tzedek, ça veut dire il est au top. Guerre tzedek, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Mirba Alanes, c'est un guerre tzedek. Onkelos, c'est un guerre tzedek. Rut à Moavia, c'est une guerre tzedek. Cela. Non. Hein? Oui, il y a. Alors, quand des gens extraordinaires. Des gens de conversion. On peut les compter à de leur famille, des trucs. Moi, j'ai fait une guerre tzedek, une noire, une de Sénégal, une Sénégal. Ah oui, bah, j'ai dit à mon fils, si tu étais un homme, épouse une fille comme ça, même s'il est noir, tu vas avoir un machiach avec une fille. Oui, parce que elle a milité contre tout le Sénégal. Elle travaille à l'église, elle a été licenciée. On lui jetait des pierres dans la rue, on lui disait t'es folle. Elle a continué. C'est une quête, mais incroyable. Elle a dormi dans des escaliers 6 mois sur un carton dans. C'est vrai, il y a des tzadikim. Mais pensez pas là. C'est des chambres de bonnes. C'est des gens qui étaient au Ham Sinaï. Au Ham Sinaï, c'est des choses. Mais en même temps, il faut savoir, il faut dire le émettre. Mais non. Beaucoup de fois. Au consistoire, par exemple, la conversion, je vous dis, elle est meilleure qu'ici. Pourquoi? Parce que les rabbins en France, ils sont plus marmirim, parce qu'ils ne connaissent rien. Alors, ils sont plus marmirim qu'ici. Oui, ils ont peur. Alors maintenant, alors non, alors la fille, elle passe une conversion. Le problème, c'est que quoi? Qui c'est qui la rend pas religieuse? Son mari juif. Son mari juif, il la rend pas religieuse. C'est comme un Algérien, il vient chez son père, il dit, papa, j'ai décidé de me marier, voilà, je te présente la fille. Il dit, comment elle s'appelle? Il dit, Christine. Il dit, comment, fils, Christine,
c'est non juif. Il dit, ouais, papa, oui. Et alors, t'es pas religieux. Non, ne prends pas une Goya. Ne prends pas une Goya. Il dit, papa, mais on est des Goy, nous, on mange du porc à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? On fait Shabbat un peu. Et il dit, bon, ils se disputent. Bon, à la fin, le père, il respecte le choix du petit. Bon, il revient avec Christine à la maison. Alors, le père, il décide de se renforcer parce qu'il a peur pour les autres enfants. Donc, il va à la synagogue tous les Shabbats, il fait qu'il douche. Et il y a le fils qui vient avec Christine. Et Christine, elle voit tous les Shabbats qu'il douche. Elle dit à son mari, écoute, ça me plaît énormément, cette notion du Shabbat. Il faut qu'on fasse Shabbat nous aussi. Il dit, non, pas du tout. Elle dit, on fait Shabbat, elle lui fait la vie à la mère. Ils font Shabbat. Après, elle commence à parler avec sa mère. Elle lui dit, tiens, nous, on mange de la viande. Elle dit, c'est merveilleux, cachère. Elle vient dire à son mari, à la maison, il n'y a que cachère. Et bon, il se tait. Après, il dit, même dehors, tu ne peux plus aller dans les restaurants pas cachère. Elle lui fait la misère. Et il vient chez son père. Tu t'imagines qu'est-ce qu'elle m'a fait? Non, le Parisien. Un jour, il rentre à la maison. Il trouve une perruque. Sa femme, elle a décidé de s'habiller de sniout. Et là, il pète un plan. Il va chez ses parents. Et bien, tu vois, je t'ai dit, c'est quoi de se marier avec une Goya? Alors, il y en a eu des histoires. Mais bien sûr, c'est une histoire vraie. Je connais quelqu'un à Anana. Il vivait avec une Goya. Ses parents, ils lui ont fait la misère. Donc, il a envoyé en Israël. Elle a fait le séminaire. Quand elle est retournée, elle lui a dit, je casse parce que tu étais prêt à te marier avec une Goya. Elle a obligé d'aller étudier. Ils habitent ça. Elle a obligé d'aller étudier. Attends, le gars, il a petit. Il faut voir comment elle est sérieuse, la femme. Du feu. Tu sais qu'elle dit du feu. Rafia. Ça, c'est. Bon. Elle est convertie bien. Oui. Maintenant, tu as plein de conversions. Tu as plein de conversions dans les communautés. Tu vas de Strasbourg à Paris, de partout. Tu as des filles, des goyotes. Elles font rien aujourd'hui. Bon, très basique. Maintenant, il y a sa fille. Elle a étudié à l'école juive. Et toi, tu dis, attends, mais je vois la mère, elle ne fait absolument rien. Comment je considère la fille? Déjà, cette fille, est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen? Non, c'est une grâce. Non, parce que si, même si elle se convertit, elle est convertie. Il faut lui faire la conversion. Alors, la réponse est... Non, mais elle a été convertie, la mère? Oui. Ouais. Pratique rien. Pratique rien. Elle était convertie, elle est juive. Alors, on dit comme ça. Alors, il y a fait mode. C'est ce que je vous explique. Tosfot, il fait la distinction. Il te dit, regarde. Tosfot, il te dit même que le mariage, il a été, c'est un mariage d'amour. C'est normal, c'est normal. 95% des conversions, c'est pour des mariages d'amour. On peut te raconter toute l'histoire. Il te pose, t'as un ami? Non, j'ai pas d'amis. Comment ça s'appelle? On leur apprend à mentir. Mais encore une fois, l'idée, si cette femme, pendant les 6 mois de la conversion et d'après, elle fréquentait la synagogue, elle venait à l'agent, un homme ne peut pas mentir autant. Après, quand elle a lâché, c'est parce que son mari l'a fait lâcher. Alors là, la conversion est bonne. Elle est devenue une mère religieuse. Je considère l'enfant comme un juif d'amour. Mais si la conversion de base, comme je vous dis, à l'armée, était tordue, pour nous, c'est une conversion douteuse à la base. C'est ce qui te dit, Tosfot, la distinction entre les deux. Et demain, on va voir la différence entre des zoukim et des koutim. Amen.